Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 3 pièces. On est à Créteil ici, avenue du Général Leclerc, au centre-ville en fait, et on est sur un dernier étage, quatrième étage, sans ascenseur. Donc à prendre en compte. Par contre, l'avantage c'est qu'on est tout en haut, donc on n'a pas de voisins au-dessus, ni tout autour, on est au bout du bâtiment. Donc appartement vraiment calme. Donc on a un petit espace entrée assez rapide qui va desservir directement la pièce principale. Qui est spacieuse, il y a de la place, on peut en faire quelque chose de bien. Il est très lumineux comme vous pouvez le voir. Donc, il est plutôt orienté sur l'ouest, là, le soleil est en train de descendre dans l'après-midi. On est sur les jardins intérieurs d'une résidence moderne qui a été construite récemment. Donc ça va être très calme. On est en double vitrage PVC partout. On a des volets, comme vous pouvez le voir, en bois extérieur, persiennes en bois. La peinture est neuve. Il n'y a pas de défaut. On a une grande cuisine tout de suite à l'entrée. Alors, par contre, il faudra l'aménager entièrement. Il y a juste l'évier et une cuisinière qui sont déjà présents. Mais il y a de la place, on peut faire quelque chose de bien. Donc, ici, vous voyez qu'il y a une chaudière individuelle gaz pour le chauffage et pour l'eau chaude. Donc, ça, c'est en plus de votre loyer, bien sûr, le gaz et l'électricité à rajouter. Ça, c'est pour la pièce principale et ensuite on a l'espace des chambres. Donc là, on a un petit couloir séparé par une porte qui va desservir deux chambres, une de chaque côté. Donc là, à gauche, ça va être la plus grande des deux. Elle est plutôt sur l'est, donc ça y est le matin de ce côté-là. On a un petit bout de balcon, c'est pas énorme. On peut sortir un petit peu. Bon, faut le nettoyer, mais. On a un petit extérieur. Là, on donne sur le centre-ville. Au pied des commerces, pratique. On a l'hôpital qui est très proche également. Donc là, on peut mettre un lit double plus une armoire, un bureau, ça devrait rentrer sans trop de soucis. Au milieu, on a les WC séparés à ce niveau-là. Alors, vous voyez, c'est ouvert sur le haut pour apporter un peu de luminosité et du coup, ça donne directement dans la salle de douche. Deuxième porte, salle de douche. Là, on a le meuble vasque. Miroir et rangement, la douche dans le coin, donc avec cette ouverture au-dessus qui donne sur les toilettes. Et là, on a un branchement lave-linge, donc en fait, vous pouvez rentrer une machine à laver en 45 qui s'ouvre par le dessus. Sinon, vous la mettez dans la cuisine à hublot. Et la deuxième chambre, donc un peu plus petite, mais il y a des petits rangements déjà prévus. Et même chose, on est côté intérieur. Donc là, en pleine lumière pour cet après-midi. Toujours en double vitrage partout. Voilà, vous avez tout vu pour cet appartement. Donc, 3 pièces à Créteil, Général Leclerc. Donc, n'hésitez pas à venir le visiter, vous pouvez me contacter pour ça. Et à nous suivre aussi sur le compte Instagram, c'est Letellier, Letellier, tiré du bas, CO. Très bonne journée.